Si tu veux une aile de bagnole de 106 Peugeot. Salut gars, on se retrouve. Aujourd'hui c'est samedi après-midi et aujourd'hui je dois faire de la SST. Bon, je viens de la finir. Donc j'avais 2h30 de Swiss Spot. Alors, j'ai tout tapé, j'ai donné tout ce que j'avais les gars. Bon, t'as pas remarqué que je me suis un peu rasé la barbe. Hein, parce que les compétitions arrivent, donc pour les photos, tout ça, faut être présentable. Aujourd'hui j'avais 30 minutes à faire, avec un repos de 30 minutes et un deuxième 30 minutes à faire. Donc en fait j'avais deux fois 30 minutes avec une interruption de 30 minutes, tout simplement. Donc le parcours est très bien parce que tu peux taper. Tu peux taper. Soleil. Alors soleil mais très très froid. Enfin ce matin il faisait très très froid. C'est pour ça que j'ai décalé ma sortie vers midi. Tu vois quand il fait du soleil comme ça, je me dis bon bah là tu vois on est bien quoi. Ça fait du bien quoi, ça change un peu, ça change de la pluie, du mauvais temps, du brouillard. Ah par contre demain ils annoncent du brouillard, un petit peu de brouillard avec un moins 8 estimé en vitesse d'éolien. On est pas loin, les mecs. La soleil. J'adore danser. J'avais une préparation à faire, bon j'ai loupé deux entraînements. Bon d'après le coach je serai pas au top. Je serais pas mal, mais je serais pas au top. Donc hier, j'étais à la réunion du FOLEP pour aller chercher les cartons pour s'inscrire en course. Alors, on a le départemental à son objectif, le régional, et puis après, on ira voir si on est sélectionné pour faire la France. Hein ? Pas fait de vidéo entre deux d'entraînement parce que j'essaie de me remettre d'aplomb, hein, on va te dire d'aplomb. Hein. Alors tu vois alors que ma tête. Là. Ah, tu me vois mieux là, tu vois. Tu vois avec ma tête. Bon, alors température, soleil, 30 degrés en partant. J'arrive en vélo, sortie moins 2. Donc là, je suis dans une région. Alors je vais te montrer. Hein. Je vais te montrer. C'est la région de la randonnée de Seine-Maritime. Donc là, tu vois le panneau là. Donc randonnée de Seine-Maritime, donc t'as un circuit de randonnée hein, avec les monts. Parce qu'ici, c'est vraiment joli, on est entouré de monts. Alors je vais te montrer autour, un petit peu autour, tu dois voir par là-bas, par ici, là, tu vois les monts. Et puis derrière moi, il y a des monts, hein, y a plein de monts. Alors on est, c'est vraiment du côté de la baie de Cigy-en-Bray, si tu connais Cigy-en-Bray. C'est joli, hein, on est toujours dans le pays de Bray, mais du côté de la Normandie, tu vois. Et j'adore ce coin. C'est vraiment joli. Bon là, il n'y a pas de soleil malheureusement, mais en général, du soleil. J'ai un peu tapé dans la FTP aujourd'hui, j'ai fait deux fois 15 minutes de FTP. Donc une fois 15 minutes de FTP, 15 minutes de repos, 15 minutes de FTP, sur une sortie de 2h30. Hein. Donc j'ai claqué mes deux fois 15 minutes de FTP dans la sortie. Bon bah c'était fallait donner un petit peu et en plus de ça c'est que dernièrement j'ai ressenti un truc en les gars ça pue le cul j'ai ressenti une boule bon j'ai maigri donc je la vois de plus en plus je devais la voir depuis un bout de temps donc je me demande si c'est pas une hernie inguinale alors si ça sent la saison est foutue hein. donc là c'est un peu la merde. J'entends des gamins faire du vélo, bah ouais, effectivement, ils sont tous en train de faire du vélo. Demain, j'ai repos, ensuite samedi, je refais du SST, dimanche, sortie de 3h30 avec les copains, on va espérer qu'il fasse beau. Et puis la semaine prochaine, et bah, c'est la semaine de course, les mecs. Donc semaine prochaine, semaine spéciale course, le Neubourg. Les maillots du club sont en fabrication, sont partis en fabrication. Je suis en train de faire des polos et vestes. Si tu veux une veste du club de Gournay, parce qu'en plus, les polos et les vestes sont... C'est un bijou, le mec. C'est bijou calaï, c'est bijou tout court. Hein. Donc voilà, je vais mettre aussi... On va mettre aussi les vêtements à vendre aussi sur notre site. Donc si tu veux un maillot ou autre, bah tu pourras acheter. Hein. Parce que si ça peut faire vivre le cycle de Gournay-en-Bray, le cycloclub de Gournay-en-Bray, on va essayer de faire des belles choses. Et nous, on va les acheter. Et si vous en voulez, vous pourrez acheter. Avec le sigle Elcox, etc. Elcox, c'est l'église, il y a tout sur le maillot, le mec. Donc ça, c'est pour la petite aparté. Hein.
Donc tu as vu la vidéo avec Enzo qui apprend à faire le vélo. Donc ça c'était le samedi dernier. Et puis nous on va continuer à en faire des vidéos. Donc il y aura deux séries. Hein. Il y aura la série avec Enzo, hein, mon fils, et puis ma série à moi. Donc il y aura deux petites séries dans la chaîne YouTube. Donc si ça t'intéresse, hein, tu me le dis dans les commentaires. Si ça te plaît, bah, tu me le dis dans les commentaires. Hein. Moi ça me fera plaisir que tu commentes. Si ça te plaît, si ça te fait plaisir d'avoir plusieurs petites séries dans cette chaîne, hein, c'est sympathique. Allez, moi je rentre à la maison et puis bah, je vous dis bien sûr à samedi pour samedi une nouvelle session d'SST. Alors je serai de mettre bien sûr les choses qu'il faut, mais pourquoi pas moi quand. Allez. Salut les gars, aujourd'hui nouveau entraînement, on est parti, c'est samedi. Une semaine et un jour pile poil avant la course du Neubourg. Donc J-8, donc 2h30 de sortie. Donc ça va faire à peu près du 65 km, hein, parce que je vais taper juste dans ma FTP et après je tape pas, hein, le mec, après c'est endurance tranquille, hein. Dans la meilleure affaire je vais taper un peu dedans, pas beaucoup même dedans parce que je vais être en FTP et puis après ensuite je suis en endurance totale, je vais rentrer tranquille. 28 km/h devant, 5 degrés ressenti 0, donc on est bien, on est super, et puis, puis voilà les gars, donc là on est parti, on se retrouve tout de suite après sur la route. En direct sur la route du bonheur. La route du bonheur. Bon, tu peux constater que ça va mieux. Hein. Allez, à tout à l'heure. Bon, heureux, les gars. Bon, là, tu vois, je me mets à l'abri parce que j'ai fait un arrêt pipi, hein, arrêt pissouille. Donc j'ai fini mes 2 fois 15 minutes de FTP. Bon, j'ai pas été au plus facile aujourd'hui, j'ai été contre le vent totalement. Retour vent, aller vent, donc j'ai tout le temps le vent de côté. Il souffle à 30 km/h, depuis 10h30 il s'est levé énormément. Je sais pas si tu l'entends. Bon là je suis dans un endroit les mecs, là c'est superbe. Là tu vois je suis tranquille. J'ai un circuit qu'on faisait avec mon frère à l'époque quand on était petit. Et quand on était petit, ce circuit il a pas beaucoup de stop, il a pas de feu rouge, il a rien. Donc quand tu veux travailler des zones comme ça, bah, je retourne sur ce circuit-là parce que c'est le circuit qui pour moi est le mieux au niveau travail. D'accord ? Quand je fais des sorties d'endurance, je vais me promener un peu partout. Mais là, j'ai retrouvé ce circuit-là. Je me suis dit pour faire ce travail d'intensité, de seuil ou de bloc, et bah, je préfère venir là. Au moins, je ne suis pas trop emmerdé par les voitures et j'ai un bon travail à faire. Autre chose que je voulais te dire, mon ami, c'est que tu vois, donc je m'arrête pisser. Hein. Et puis, bah, si tu veux une aile de bagnole de 106 Peugeot ou un pot de tabac ou une visière pour faire de la meule, hein, pour jouer de la meule, eh bien, tu viens à cet endroit-là. Donc, c'est à côté du Vauroux. Hein, tu viens à côté du Vauroux, pas loin. Et, donc, tu vas le trouver. Le Vauroux, c'est dans le 60. Et puis, tu viens dans ce petit endroit-là. Hein, et puis, tu vas trouver tout ce que tu veux. Hein, hein. Tu vas trouver tout ce que tu veux. Hein. Ils jettent ça à côté du Vauroux, petite commune sympathique de l'Oise. Et bah t'as des mecs qui viennent jeter leur merde, tu vois. Ils viennent jeter leur merde. Alors ça, c'est des bouffons, tu vois. Genre, j'ai envie de leur mettre devant chez eux, tu vois. Voilà. Donc t'arrives dans le petit endroit, tu te promènes en famille dans la forêt. Et bah là, tu vois, donc là, on rêve bien. Hein. Je te mens pas. Il y a une aile de bagnole. Ensuite, t'as un siège. Enfin, t'as tout ce que tu veux. Hein. Voilà. Et puis, bon, bah là, je vais te montrer, hein, jusqu'au bout. Hein. Voilà la fameuse visière. Voilà. Hein. Là, tu as la fameuse visière. Tu veux meuler, au pire, tu me mets dans les commentaires. Hein, si tu veux que je te réserve quelque chose. Et puis moi, je te le réserve. Hein. Il n'y a pas de problème. Je suis en stock. De toute façon, j'ai tout en stock. Ici, c'est un endroit où il y a du stock. Hein. Aile de bagnole, pot de tabac, fusible de bagnole, visière. J'ai tout ce que je veux. Voilà. Donc tu commandes. Hein, tu mets un petit commentaire et tu me dis ce que tu veux. Et puis moi, je te l'envoie. Hein. Bon, je te l'envoie, bien sûr. Pas tout de suite, hein. Faut que je vienne le récupérer en vélo, ça va être compliqué. Alors quand vous voyez quelqu'un qui jette, hein, vous le stoppez. Hein, hein. Tu prends son aile, tu lui mets dans sa gueule. L'aile ou la cuisse. Petit aparté d'énervement, ça m'énerve ces conneries. Voilà, je tenais à le dire. Hein. Vas-y, tire. Hein. Continue à tirer, hein, je suis juste là. Hein. D'accord. Non, mais tu peux tirer. Hein. Tu peux tirer. T'inquiète. Tire par là-bas, quoi. Non mais bon je te le dis, hein, je te le dis. Essaye pas de tirer vers moi. Si tu peux tirer, bon, tu vois rien. Et c'est normal. Tu l'entends le vent? Voilà. Allez, moi je rentre avant que je me refroidisse. Et puis bah, je te dis à demain. Hein, à demain pour une nouvelle aventure. Allez, ciao les amis. Ciao, ciao. Salut gars. Aujourd'hui c'est dimanche. Et dimanche, c'est sorti avec les potes. Je suis en train de me faire des œufs. Et
petits œufs sur le plat. Tous les matins, je mange ça. Maintenant, j'ai changé complètement d'alimentation. Mais ça, je t'en parlerai vraiment dans la nutrition quand je ferai la vidéo de la nutrition. Donc aujourd'hui, le temps, moi, quand... Je vais te montrer, moi. C'est pas top, top, hein. Attends, mes œufs, si j'arrête pas, ils vont cramer. Ils sont en train de cramer, les connards. Comme ça. Une assiette, tu vois, une petite assiette. Donc ce 25 km/h de vent continu et 50 km/h de rafale de vent. Voilà, on doit plus reculer, de toute façon, c'est la semaine prochaine la course, le mec. Si je commence à reculer maintenant, on arrête le vélo. Je sais pas, c'est une omelette. C'est une omelette, mon pote. Faut faire une pizza, le truc. Après, j'ai trop fait griller. Bon, bah, ça sera une pizza. Pizza aux œufs. Top, top. Donc, je mange des œufs le matin. J'ai changé complètement mon alimentation. Eh ouais. Donc, bon, je t'expliquerai la nutrition, la chrononutrition, je vais te l'expliquer. Mais vu que j'ai changé entre-temps de nutrition, parce que j'ai un nutritionniste, le coach, et depuis que je fais son truc, quand même, j'ai quand même perdu des kilos. Donc, Nico, bon tour de Vendée, je crois que c'est ça que tu fais. 85 grammes de pain. Je vais manger un peu de miel. Le miel, c'est la vie, les gars. Hein. Voilà, du bon miel, les gars. Du bon miel crémeux, j'adore ça. Donc du bon miel, et puis je vais prendre, ça c'est la source de vitamines, hein. C'est 2 kiwis. Donc voilà, je mange une omelette, je mange du pain avec du miel, et je mange 2 kiwis, ça c'est pour aller à l'entraînement. Comme ça je vais tout faire péter, première bordure je la fais, je fais péter les potes dans la bosse. Ça c'est bordure en haut, donc je monte une bosse, en haut il y a bordure, je le fais tout péter. Allez, tout le monde carré, et plus personne, je me retrouve tout seul dans la sortie, je suis tranquille, on peut me faire chier. Donc voilà les gars, on se retrouve tout à l'heure. Donc il y aura Nicolas, il y aura Antonio, il y aura moi et il y aura Florian. On sera 4 aujourd'hui. Voilà, c'est les 4 qui commencent la semaine prochaine en course de vélo. Donc voilà, en espérant qu'il fasse beau la semaine prochaine, mais ça s'annonce mal. Hein. En ce moment il y a des tempêtes, faut pas trop traîner dehors. Mais bon, on peut pas faire autrement. C'est comme ça. Allez, à tout à l'heure. Ouais, salut hein. Ouais, bon, t'as pu voir la sortie sur la GoPro. On est avec Antonio. On a fait combien, 45 de Wayne? Non. Là, on a avec le Mistral qu'on a eu. Là, on a eu une tempête de vent. Donc une grosse tempête. Hein. Oui. C'est là, je crois que ça ressoufflait à 50, hein, à peu près. On a mis les voiles. Dans les avoirs.
sans borne, 3h20. 3h20, t'as encore une demi-heure. Ouais. Bon, les gars, donc J-7 avant la première course. Eh oui. Donc, même Tonio, il fait le Neubourg. Donc, vous nous verrez tous les deux au Neubourg. Donc, théoriquement, quand je vais poster cette vidéo, il restera 2 jours. Parce que je la poste vendredi. Il est environ vendredi. Et on se voit dans 2 jours, donc dimanche. Donc, on se voit dimanche. Et de course de départ de saison. Ça va être une bonne course. Tu penses que tu vas être bien? On verra les sensations dans la course. De toute façon, là, on n'a pas rigolé aujourd'hui. Je crois qu'on n'a pas respecté le programme. Bah, c'est-à-dire, avec le vent, c'est pas facile. Bah, le problème, c'est qu'on l'a pas respecté du tout, même. On était un petit peu au-dessus, quoi. Non? Un peu beaucoup. Hein, je crois qu'on a fait une course de vélo, on était 5, on a fait une course de vélo à 5. Oui, je crois qu'on avait des... Contre le vent, je pense qu'on a tapé du... on a tapé de la moyenne. Ça a roulé. Putain, j'ai mal aux pattes, là. Moi aussi. Bon, là, on a mal aux pattes. Voilà, les gars. Bon, bah, nous, on se dit rendez-vous, Tonio, bah, dimanche. Dimanche, ouais. Dimanche, tu seras Inzo va filmer et on verra Tonio en course. Bon, moi aussi, je serai sur le vélo, donc on verra ce qu'il filme. Le gamin, peut-être qu'il va filmer l'herbe. Ouais, il va faire ça bien. Ouais, je pense. Hein. Oui, oui. De toute façon, il arrive à décaler, ouais, non. Il décale, il cale bien. Je chausse, je déchausse. Voilà, les gars. Bon, bah, on se dit à dimanche. À dimanche, les copains. Ciao, les gars. Allez. Bon week-end à tous.